Je préfère une nuit sur mon verre pour constater les dégâts qu'il y a eu dans les champs de M. l'Allemand Stéphane. Ça persiste encore. Hein. Aujourd'hui, on a constaté encore par rapport à hier et des autres jours, ça dégrade encore de jour en jour par rapport aux fortes pluies. Donc, il a vu vraiment les dégâts. On l'avait interpellé là-dessus. Et il y a des dispositifs pour mettre en place. Donc, c'est pour ça, voir vraiment avec le préfet et la commune quels dispositifs mettre en place pour accompagner cet agriculteur-là et l'ensemble des agriculteurs. Hein. Et donc en parallèle des intempéries, des dégâts que ça a causé, il y a aussi cette mobilisation nationale. Bien sûr, c'est pour ça, moi j'ai discuté avec le préfet, avec le directeur de DAF aussi, avec la chambre d'agriculture. Aujourd'hui, on a du mal à mobiliser nos agriculteurs. C'est légitime, hein. Ils ont beaucoup de dégâts sur l'exploitation, donc il faut remettre en état ces exploitations-là. Donc nous, on demande à les personnes qui peuvent venir soutenir le mouvement de venir, mais priorité, c'est l'exploitation. C'est quoi justement les revendications? On a énormément de revendications. Aujourd'hui, celle de nationale, c'est sur le GNR et sur les normes. Mais nous, au niveau local, on a aussi des spécificités locales. Donc, tenir en compte, les dispositifs proposés par le national ne correspondent pas à notre île. Donc, de travailler là-dessus.